Salut tout le monde, je suis juste en bas de chez moi, je voulais vous faire un petit coucou et puis surtout vous dire que ce matin j'ai fait un footing. D'habitude je suis plutôt vélo et puis exercice de assouplissement là et puis voilà, mais là bah, le footing s'impose un peu, donc j'ai choisi vraiment un endroit où je suis sûre que les gens n'ont pas la même idée que moi de se retrouver là. Mais je voulais vous dire surtout que je pense que c'est très important de se faire des rituels comme ça, et puis avec même un programme. Un programme alors de plusieurs dimensions. Déjà un programme à savoir le matin, ce qu'on s'est programmé pour la journée. Et puis une dimension aussi à se dire, bon bah pendant cette période vraiment difficile pour tout le monde, hein, on a tous, j'imagine, les membres de la famille qui ne sont pas dans des positions du tout confortables, ou soi-même, évidemment, je parle pour tous ceux qui sont confinés principalement. Donc un programme aussi qui fait qu'on se programme quelque chose pendant toute la durée de cette période, qui peut durer peut-être, on ne sait pas quoi. Mais au moins trouver une perspective dans le sens où on va se préparer à la suite. Ça, je pense que c'est fondamental. Déjà, se faire une vision comme ça d'un programme qui n'est pas juste un programme au jour le jour pour ne pas péter les plombs, mais surtout un programme qui a l'objectif de sortie, qui fait qu'on va profiter de ce moment pour se préparer quand ça va changer de situation. Et encore, on ne sait pas du tout quelle est la situation économique qu'on va retrouver à la fin. Mais sans extrapoler sur l'inconnu, on peut se demander sur quoi on a du pouvoir. On a du pouvoir sur cette programmation, autant pour notre équilibre à nous. Le matin, on se programme. Bah là, moi, c'était footing, étirement, douche froide. Et puis ça, je vais le faire tous les jours, quoi. Après, programmer, savoir ce qu'on a à faire dans la journée, je pense que c'est vraiment à réfléchir dans l'idée aussi d'une perspective temporelle, qu'on mesure que ça dure 3 semaines ou 2 mois, il va bien falloir se donner une raison de se programmer ces journées-là. Alors il y en a qui voudront vraiment agir tout de suite pour trouver des solutions, des initiatives dans la situation actuelle. Puis il y en a d'autres retrouvés confinés qui vont plutôt chercher à se programmer la suite pour eux-mêmes, pour leur business. Il n'y a pas à se dire il faudrait que je fasse. Non, il ne faudrait pas. Qu'est-ce que moi je veux faire vraiment pour moi? Qu'est-ce qui est important? Parce que sinon, si vous êtes en opposition avec ce que vous voulez vraiment, vos valeurs à vous, vous pouvez très bien, une fois que vous choisissez ce que vous voulez faire, vous pouvez très bien le mettre en parallèle avec ce que ça va apporter aux autres. De toute manière, il est clair que chercher au fond de soi ce qu'on peut apporter aux autres, je pense que ça met nos objectifs et ce programme spécial confinement à un autre niveau, et ça nous donne la pêche pour aller jusqu'au bout. Et puis surtout, c'est ça, hein, donner des. J'essaierai de vous donner des outils pour ça. Bon, bah écoutez, bonne journée, et n'oubliez pas que les démarrages de journée comme ça, c'est vachement important. Je vous conseille vraiment de vous programmer une séance de sport, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, pour démarrer la journée et savoir ce que vous avez à faire. Bon courage, à bientôt. Salut.